Bonjour et bienvenue sur Vivement, bienvenue sur la chaîne de BHP7 et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un nouvel épisode de la génération 0 de ce jeu un petit peu de loot, de découverte, de survie, de robot, de fight que je fais en coop avec mon ami Globule qui va arriver dans quelques minutes sur le Discord. On va continuer la game, on va continuer à développer la découverte du jeu. Pour information, le jeu est avec le lien du partenaire à moins de 3 euros. Est-ce que le jeu vaut 3 euros? Ça, c'est sûr que oui, ça les vaut. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, un maximum de commentaires, follow la chaîne secondaire, faire tout ce que vous pouvez et voulez, c'est gratuit. Et puis, si ceux qui veulent participer un petit peu plus, un petit sub, un petit Patreon, vous faites comme vous le pouvez, comme vous le voulez, comme vous pouvez. C'est le plus important. Bref, on va faire une petite game. Je vais inviter le poteau. On va l'inviter dans la game aussi. Et on va aller le voir. Je crois qu'il y a du monde dans le vocal. Je peux pas commencer tout de suite. Si, ma... Ah. Hello. Bah attends, comment ça va? Fais un petit bonjour. Hey, comment ça va, mon petit P7? Ça va, bienvenue. Je crois qu'il y avait un petit viewer qui était dans l'autre vocal, je voulais l'inviter mais il est parti, pas tant pis pour lui, je vais lui faire un petit coucou. Je lui ai dit que t'allais lancer une vidéo, donc du coup il s'est échappé. Il s'est échappé, je lui ferai un petit coucou juste après. Attendez, est-ce que j'ai moyen de l'attraper? Bref, oui, parce que sur la chaîne, de temps en temps, on fait des games avec nos viewers. Alors pas tout le temps, prenez pas l'habitude si vous découvrez la chaîne, parce que c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Mais en tout cas... Là, on attaque un nouvel épisode du duo. On était dans le bunker. Il fallait qu'on remette le courant, etc. Alors, on m'a dit qu'on pouvait régler la difficulté du jeu. Ah, bien ça, bien. Et le rendre beaucoup plus difficile. En pleine game. Alors, il faut que je trouve ça. Est-ce qu'on peut... Enfin, je trouve ça. T'as réussi à te TP, toi, ou pas? Bah, il faudrait que tu m'invites pour ce faire. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée, ça. Sans quoi, ça va être compliqué, quoi. Ah, bonjour, on a... Tac. Où est-ce que c'est la difficulté? C'est une bonne question, ça. Ah. Bah, écoutez, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui connaissent le jeu, je le rappelais en préambule, t'étais pas là, mais le jeu vaut même pas 3 euros avec le lien du partenaire, c'est vraiment... cadeau. Franchement, je dis pas que c'est le jeu de l'année, mais pour 3 euros, ça les vaut largement, mais large. Et donc si quelqu'un a déjà joué au jeu et qui en plus sait comment on change la difficulté, n'hésitez pas à mettre l'information en commentaire pour qu'on puisse le faire. Là, je regarde encore un tout petit peu. Multijoueur, c'est là, qui peut rejoindre la langue choisie, autoriser les véhicules, tout ça. Permettre le démontage, ok, on s'en fout. Partager le contenu de l'inventaire. Ah, je savais pas ça. Ok, fermer la suggestion, non. Donc c'est pas ici, c'est pas dans les réglages, je pense pas. Jeu. Royal, on s'en fiche. Nom des joueurs, ok. Ouais, je vois pas trop. Je vois pas trop où ça peut être. Fissement, on est en ultra, tout ça. Bon, et bah... menu ou maintenir dans multi, attends, dans pas dans, non, c'est pas dans multijoueur, non, je vois pas l'info, je vois vraiment pas l'info. Bah mince alors, ouais, c'est con. Faut jouer. On nous a dit qu'on pouvait mettre en nightmare. Moi, j'étais chaud pour mettre du nightmare. Attendez, continue, y a pas bon. Okay. Y a pas des... quand tu lances la campagne, non, en plein jeu tu peux... Ouais, on m'avait dit qu'on pouvait changer. Okay. Mais surtout, dis, pense à te délooter, t'as trop de trucs sur toi. Effectivement, mon truc il est plein. On l'avait pas déjà fait ça? Je crois, je vais quand même regarder. Je crois qu'on avait délooté déjà un petit peu. Hein. Tiens, ça j'ai pas besoin sur moi. 61 sur 64, non, on a peut-être pas délooté, non. Je pèse aussi lourd qu'un éléphant. Ouais, non, je suis trop lourd là. Pas mal.
Ouais, je suis à 53 kilos aussi. Waouh, ouais. Bon, on va se délouter, allez. Je prends quand même des trucs explosifs. C'est les balles qui pèsent si lourd que ça? Ah, peut-être, d'accord. Ouais, c'est pas con. Un petit peu, ouais. Plus de secours, j'aurais peut-être pas besoin de 43 sur moi. Surtout qu'on n'est pas 43. En difficile, du coup. Ouais, 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 43, c'est... Ouais, bon. C'est limite, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Birdshot. Déjà, je viens de perdre 10 kilos. Ouais, plus rapide que mon régime, ça. C'est nice. Les artifices, on s'en bat les... T'as parlé d'appareil. Moi, j'aime bien ça. Radio de terrain, tiens, j'en ai une. Ça, c'est pour faire le respawn. C'est con parce que tu vois pas le poids de... Ah si, si d'accord. Si, si, il y a écrit sur une arme, ouais, ouais. Bah, elle pèse toujours 2 tonnes, hein, what the fuck. Ouais, qu'est-ce qui pèse aussi lourd, c'est dingue, quand même. Pousse de secours, ça, ça devrait aller, les feux d'artifice. On y va. Les crochetages de serrure, je garde. Là, je garde. Je regarde les armes que j'ai sur moi. J'ai l'autovar. Ok. Autovar. L'automate Guevara. Pardon. L'automate Guevara. Le fusil à pompe, je garde. Bah, je vais peut-être poser le pistolet en fait. Parce que si j'ai un fusil à pompe et un gun et un snipe, ça sert à rien. Donc, je vais poser le gun et toutes les munitions qui vont avec. Hein. Ouais, ce qui pèse lourd, c'est le réservoir à carburant explosif. On va pas se mentir, c'est ça qui pèse très lourd. T'as 9 kilos par réservoir. C'est pas vraiment le gun, quoi. Ouais, non, mais après, j'ai posé le gun et les munitions. Radio cassette 1 kilo, air comprimé. Ouais, c'est le balle de pompe, je garde. 40 kilos, ça le fait. Moi, je suis à 34 là. Tac. Alors, par contre, on ressemble toujours à rien. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est beau gosse. Dans le menu. Ah, le menu, c'était quoi déjà? C'est là. Je pense que les compétences, on est bon. Journal, on est bon. Schéma, on verra après. Recherche. Profil. Est-ce que ça me donne plus de trucs, le casque? C'est pas hyper clair de savoir ce que ça donne les, tu sais, les bonus. Ouais, il faut dans les fringues. Ouais, il faut regarder à droite en fait, une fois que t'as... Ouais, c'est pas... T'as raison, c'est pas gêne. Bon. Bah c'est pas super important, bah on va continuer la mission nous. Restreint le... Courant dans le... Bah on l'a déjà fait ça non? J'ai pas mis le courant ici? Allez vas-y, ça va, je suis plus joli là. C'est où le carburant? Ah le courant ça va être là-dedans. Shot, j'imagine que non. C'est le stockage, bon. Et sur la map, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire là? Attends, mais c'est moi ou ça pas... On était pas là la dernière fois? Le jeu il a bugué ou quoi? Oui, non mais parce qu'en fait il nous remet sur notre dernier refuge, on n'a qu'à faire un jump sur le refuge non découvert là-bas, le bunker de contrôle Vesslan. On peut pas se téléporter ici. Si tu laisses ton doigt, non, suivre. Ah non, ah, effectivement. Ah non, c'est fait. Ah c'est con parce qu'on était juste devant. On va être obligé de. Bah on va speeder ce qu'il y a là-bas. C'est pour ça qu'ils nous demandent de mettre le courant. C'est pas ici qu'il faut mettre le courant, c'est là-bas. C'était la mission qu'on avait. En fait, on venait de rentrer dedans, mais ça a pas sauvegardé. Tu te rappelles? Non, parce qu'on a pas, ouais, on a pas activé le. Ouais. Oh, c'est bidon ça. La mission, ça, je ne sais pas. Ça, je trouve ça con quand même.
Bah pour les. Ouais, pour le live, il a fallu qu'on s'arrête, quoi, mais. Là, ça fait yesh, ça fait une grosse trotte à faire. Mais bon. Bon, ça va aller. Ça va aller, d'autant qu'on peut courir comme des tarés. Sans pour autant s'essouffler. J'avais fouillé, je suis là. Alors, normalement, j'ai mis un petit truc sur la map. Ah putain, c'est con, on avait fait toute la quête, on avait ouvert la porte, on s'est même dit tiens, on s'arrête là pour pas spoiler la suite. Et en fait, on aurait dû, on aurait dû aller jusqu'à la sauvegarde. Tu veux bien faire pour tes viewers et tu te fais ken quoi, tu vois, c'est, je te l'ai dit, joue pour toi, joue pour toi. Arrête, pour arrêter de faire des vidéos, hein. C'est bien ce que je pensais. Ok, on avait pas fouillé sur le tas là. Je pense pas, non. J'ai entendu un... Oui. Ouais, je vois un mecha. On en parle plus. Ouais, il y en a un autre qui arrive. Bien joué. Ferme de Björvik. Les bruitages sont cool quand même, hein. Vraiment. Allez, je ramasse ce qu'il faut. Le problème, c'est que là, on va se remettre à looter des trucs. Bah, c'est important de looter, mais. Un sac à dos fouillé là. Bah limite on loot pas hein, on lâche l'affaire, on file sur notre point de... Ouais, y a quand même une arme à trouver ici, c'est quand même con. Ah bah c'est peut-être dans cette ferme là, dans ce bâtiment, mais on l'a pas déjà fait. Faut croire que non. Oh, y a une mine, c'est quoi ça? Ouais, enfin ça ressemble hein. Ouais, c'était une mine terrestre. Vas-y recule, on va la péter non? Ah, j'ai ramassé. Ah, humain. Oh, what? Ah ouais, moi aussi je peux la ramasser, c'est trop drôle. Pas activé en fait. C'est pas sûr que l'arme soit ici, mais. Ah, y a un sac là, j'avais pas vu. Il y a une petite caisse. Hein. Ah, y a encore une mine là. C'est quoi ça? Ça fait trop flipper de voir les mines comme ça, je me dis. Je me dis que c'est pas bon. Ouais, c'est que. On va peut-être avoir du grabuge derrière. Il y a un truc ici. Non, l'arme n'était pas dans ce bâtiment là. En fait, je suis vraiment. Je viens de passer de niveau supérieur. Il faut la compétence de crochetage. Bah attends, il faut que je la prenne, cette merde là. C'est dans quoi le crochetage? Ça doit être dans. Ah, c'est là. Ah, je peux pas encore. Ah, il faut que j'achète d'abord chimiste. Putain. Et ça y est, je l'ai, ok. Ah, il me semble que j'ai des outils. C'est bon. Ah, mais ça ouvre comme ça? Ok. Effectivement, c'est plus facile que dans Scum. J'achète. Ouais. J'achète, ouais. C'est pas rassurant parce que si tu te fais raid. Enfin, non, il n'y a pas de. Ouais, c'est que des. Ça vite, tu es attaqué que par des robots. Masque à gaz. Je pense qu'il y a forcément quelque chose d'important ici. Si c'était fermé qu'une compétence. Et là-haut, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien. Pour sortir, ok. Après, je vais enchaîner avec un petit live découverte. Un petit live découverte sur. Je suis une surprise. Ouais. Une surprise. Découverte. Hein. Bon, mais y a rien ici en fait. Non, bah t'as fouillé tous les trucs au rez-de-chaussée? Non, mais à l'étage. Je me suis rendu à l'étage et y a rien. Mais ici, t'as fait tous les trucs là? Il y a plein de. Les caisses à outils, les caisses à outils ici. Ouais. Bon, on y mais va. Y a pas d'armes. Non, c'était peut-être pas ici non plus.
va faire tous les trucs. Hein. Oh, allez, pour le kiff, je suis obligé de tirer dessus. Allez, je te laisse faire. T'as jamais fait ça. Ouais, sur le... rien. Ah oui, d'accord. Oui, j'adore. Ça met un certain temps, ça marche. C'est parce que j'ai tiré dessus une deuxième fois. Hein. Je pense que ton coup était pas assez... assez puissant. Ok, y a rien dans celui-là. On va passer en face. C'est pas ce que me dit madame. Ok. Je suis pas au courant. Donc... Non mais y a rien du tout dans cette ferme. Non. Ok, là je suis passé à celle d'en face. Mais je me suis fait couiller. Tout à l'heure, il y avait deux portes qui étaient fermées avec un crochetage. Ça m'a utilisé les deux crochetages alors que c'était déjà ouvert. À l'étage, il y a deux caisses. Sept. Avec une arme ou pas? Bah, pour l'instant, non. Deux petites caisses. Enfin, deux. Ah. Une télé. Oui. Ça fait rien sur la télé. Ah bah, ici, la gun, bah voilà. C'est ça. C'est que pour ça. Allez, on se casse. Je m'attendais à un truc de ouf, moi. Ok, direction. Alors, attendez. Et j'ai mis le bloop. Ouais. J'ai mis le truc ici pour suivre. Ouais, ok. On va être par là-bas. Je vais ramasser quand même les branches. Je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, pour build. Mais... Ça fait délire ça, on est dans les marécages. C'est sympa ça. Les herbes hautes. On ne peut pas traverser après. Mais c'est chouette les... Ah, j'ai gardé encore tous ces fusées de détresse là. Hey, y a du feu en face là-bas là, t'as vu? Oui, je suis en train de regarder aux jumelles pour... Mais c'est pas très... Pas très précis les jumelles, je trouve. Ah, mais y a zoom, putain. Ok, y a un camp, ouais. Bah, c'est peut-être par là qu'il faut se rendre, non? Je sais pas. Ah, y a un robot. Plein ouest. Faire, de façon. Il y a un autre truc en feu. Ah, c'est l'avion. Il y a un crash d'avion. Oh, un truc de ouf. Ah, ça, une la cassa, quoi. Il y en a un autre, je crois. Oui. Je sais pas si les armes se détériorent, mais j'ai l'impression que la mienne est complètement pétée, quoi. Il est là. Non mais j'ai l'impression de tirer avec des pistolets à haut. Mais non mais c'est vrai ça. Mais j'arrive pas à tirer sur le... Oh putain. Non, je change de munitions, voir ce que ça donne. Vous me soignez? Vite fait là. Ah, ça a l'air mieux. T'as eu? Oui, mais ça, mais j'ai que 8 munitions. Pas de combat à porter. Et là j'en ai 109, d'accord. À mon avis, je devais avoir des munitions AP ou je sais pas quoi. Je voulais à tout prix viser le réservoir. Ah tiens, y'a un soldat à fouiller là. C'est le seul qui a pas brûlé, c'est rigolo, hein. Son avion a complètement cramé. Mais pas lui. C'est pas lui. Non mais c'est... Ridicule. Ah ça va, hein. Non mais faut bien qu'on lui trouve des petits côtés pas top. Et pour l'instant, moi j'ai rien à redire, hein. C'est propre. Hein. Oui, j'ai... un jeu qui vaut bien son prix. Donc voilà, le bunker est en face. Ouais. Le bunker, il y a trois armes à trouver.
un schéma, une mission invalidée. Mais là on est obligé de faire tout le tour là, on peut pas traverser là. Oui, on bah pas, par ici, on pas, regarde. Plein, on a plein pas ouest. Essayé mais... Bah j'avais alors, testé peut... l'eau la dernière fois et... Ah mais on va se retaper le gros titan là, le gros robot infernal, non? Ouais mais est-ce que du coup on doit le refaire? Je pense pas hein. Certes, on peut toujours courir avec la stam, mais le bruit de l'essoufflement, il est assez dissuasif, quoi. J'ai l'impression qu'il va mourir sur place, le mec. Le soleil qui se lève, c'est beau. C'était là-haut, hein. Ouais. Ouais, mais je voulais voir ce qu'il y avait ici, là. Tiens, juste ici, on dirait qu'il y a une cabane ou... Ouais. C'est une entrée secondaire. Mais c'est pas la grotte, ça, non? C'est pas la même grotte que l'autre jour, ça. Hein. Là, c'est pour refaire un vélo. Il y a un truc à fouiller ici. Ah, rien de... Oh. Une tomate Guevar. Tomate Guevar? Ouais. Pour une fois que je tombe pas sur... comment? Une batte de baseball, je suis content. Ouais, en fait, on est sur la sortie de secours du bunker. Et comme on avait déjà fait la mission et qu'on a le scan, ça nous a ouvert. Sinon, on aurait pas pu rentrer. Several hostile machines over here. Oh. They are everywhere. Enemy neutralized. Oh, ouais. So far, no trace of any living person, military or civilian. I don't like this at all. Je tire sans viseur, non. Mais. Peut-être moi j'ai ouvert cette porte là, puis ça. Ça a peut-être enchaîné les petits robots, non? Peut-être. Waouh! Oh, tombé dans l'escalier qui. Quoi? What? Archipel. On comprend pas tout. Oui, ah, le courant c'est en bas de toute façon. Il y a un logo. Ah yes, ouais, je te suis. On va fouiller après. Et tu vois, il y a un logo électrique là. Mmh. Ouais, ah, oui. Il y a du monde. Hein. J'ai un petit indicateur comme. C'est un, je crois. It's completely empty too. I repeat, the whole bunker is empty. Do you copy? Oh merde, je suis en train de le charger. It's just us who are left. For all we know, everyone else is really gone. Over and out. Et il y a aucune alimentation, donc faut remettre encore le carburant. Il y a encore du monde là. Bon, voilà, hein. Le bordel. Carnage. J'étais en train de recharger, je sais pas si toi aussi, mais. Ah ouais. Bon, le pompe, c'est l'idéal hein, pour. Les close combats comme ça là. Ouais.
J'aimerais bien qu'il soit en meilleur état, mon pompier ferait plus de dégâts, tu vois. Il y a aussi un intérêt à ce qu'il soit, à ce qu'elles soient en bon état, les armes. Visiblement. Et là. Ah ouais. Enfin. Ok, faut les rejoindre au centre de commandement. Bon, du coup on va pouvoir explorer tranquillement. Il doit y avoir un truc de stockage, il doit y avoir rien à fouiller. Mais en fait, ils nous ont juste emmené ici pour mettre l'électricité, quoi. On va peut-être à l'étage, hein. Attends, on va bien. Ah ouais. Est-ce qu'il regarde, on peut ouvrir cette porte maintenant, open. Ça sent le truc à fouiller, ça. Yes. Oh, un PM M46, la piste. J'ai eu de la merde, moi. C'est tout? Ok. Ouais, une petite mitraillette à la con. Ouais, s'il y a rien d'autre. Où est le centre de contrôle? À mon avis, ça doit être par ici. Bon, je vais faire comme toi la prochaine fois, je vais virer mon. Pistole, je commence à avoir trop d'armes. On est revenu par ici, donc là on va faire le reste à l'étage là-haut. Et rien d'autre. Oh oh. Par ici. Petite grotte là. À te soigner. Il en reste? Ouais, il en reste. Il en reste un. Ok, attends, je me soigne moi. Oh merde, non, c'est pas possible. Bordel. C'est une bonne idée. What the fuck? je suis pas mécontent de mon petit jerrycan. Il n'y en a pas de récompense de... Ah ça y est. Le combat c'est qu'en gros, normalement il y en reste encore, mais... Et là c'est bon. Eh ben... Ça blague pas, hein. Tu voulais mettre ton nightmare? Bon. Lol. Pourquoi pas, hein. Comment je peux faire pour me soigner? Ah, je les ai pas mis en raccourci, c'est pour ça, d'accord. Arrive, hein. Ah ouais. J'ai bien compris que le centre de contrôle, ça doit être là où il y a les lits. Mais t'as pas ouvert les caisses là, tu fouilles rien, non? Tu. Il y a des caisses où t'es là? Ouais, bah ouais, l'entrée, ouais. Bah des. Ah ouais, des conteneurs. Ah, bien vu. Effectivement, ouais. Effectivement, j'avais pas pensé à les ouvrir. En même temps, il y a que de la déco là. Non, ça va. Bah, le loot est tellement aléatoire que tu sais pas trop. Hein. Il y a un viseur. Une lunette de visée, pardon. Ok, donc ça aussi, il s'ouvre celui-là. Ah ouais. Ok, bien vu. Elle est toute planquée dedans. Je t'éclaire, cousin. Merci. Ah, le centre de contrôle, c'est par là. Un petit logo. Il y a encore du fight, hein, je le sens. Voilà, on est arrivé. Ah, there you are. Come and take a look at this. Mais vous êtes là? Ok, station de recyclage. En gros, là, normalement, il est censé avoir sauvegardé. On est arrivé dans un spot. Bah, je sais pas, Pontus. Vas-y, mon ami. Raconte-nous ta live.
On dirait Robin Hood, il a une espèce de maquillage au niveau des yeux. Il veut qu'on regarde le tableau. Oh mon dieu. Débloque la construction de base et d'assaut de base, bah voilà. And monitor the current situation. This war isn't over. You and me, we're going to pick up where the army left off. We'll find the recent hotspots and go there to push back the enemy. Sounds good. We'll keep exploring, and hopefully we'll find some answers somewhere. Find our loved ones and understand what those machines are. That's our only option anyway, right? Du coup ça, oh la map elle s'est agrandie là du coup. Choisis la mission sur laquelle tu veux, tu veux, tu veux aller. Moi j'ai mis mission de construction. Je mets rien moi, de toute façon, par principe. We need a plan B in case we need to fall back or if we ever get contacted by allied forces. En fait, j'appuie sur échappe, ça m'enlève le suivi. Arrêter le suivi, suivre. Ok. Trouver la carte de... Ah, voilà. Trouver la carte de, la... de patrouille. Et la carte de patrouille, elle est... Il faut la trouver, quoi. On n'a pas l'info, c'est ça? Ah ouais, la vache. Ah, mission de construction, ouais. Elle est là. Ah si, si, elle est là. Ok. Là, c'est un repère. Faire des amis, un autre château. Mission de construction. Ok. Bah écoute, on va voir si c'est un truc de déloot. T'as activé la tonne de choses, hein. J'ai activé, après j'ai désactivé. Ah, il est là, le truc de rangement. Tac, ranger l'objet. Kit de réparation. Ah oui, c'est ça qui est lourd. Bah ouais, mais moi je vais pas en garder autant, hein. Bah recycle des armes déjà. Moi j'ai tout mis dans le coffre, moi. J'ai beaucoup d'armes identiques, je suis en train de les recycler. Tac. Réservoir de carburant. Ça se recycle ça, non? Ah ouais. Adrénaline. Je vais pouvoir poser. Ok, bon. Faire la mission de construction, j'ai envie de voir ce que ça donne, tiens. Voilà, j'ai recyclé tout un tas de bordel, je sais pas, voilà, à l'arrache, quoi. Un truc à fouiller ici. Ah, un truc. L'ambiance générale est pas mal, les... Ouais, ouais, elle est carrément bien. Le fait de pouvoir... Ah, mais putain, à améliorer les armes, etc. quand même. C'est un truc que je trouve ça un petit peu bordélique, en fait. Ouais, c'est pas pratique. Par contre, je viens de voir que j'avais... 111 de trucs de recyclage, je sais pas ce que c'est. Merde. Une espèce de petit carburant qu'on fouille dans les moteurs des véhicules. Ouais. Tu te souviens comment on mettait les items sur la roue là, l'espèce de roue Tu choisis, c'est vrai, tu fais attribuer une touche. Tu cliques dessus et t'as l'option en bas. Dans inventaire, d'accord. Tu choisis dans inventaire, lâcher accessoire, vider l'emplacement, d'accord.
va essayer de trouver la sortie. Il y a quand même les lits qu'on n'avait pas explorés. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, j'en sais rien. Ici, il y a un conteneur qu'on n'a pas fouillé. Il est énorme ce bunker. Rien que pour fouiller ton spot. Mais là maintenant il nous appartient. Donc ce qui fait qu'on va toujours revenir ici. Il spawn ici. Ouais. J'ai trouvé la sortie. Putain, quelle galère. Ah la vache, comment c'est énorme, ouais, t'as raison. Il y a un petit panneau sortie, d'accord. Ouais. En fait, je me suis vidé moi. 30 kilos, ouais. Je me suis bien vidé. Réseau de bunker. Et j'ai un gros panneau là. Réseau de bunker et contrôle. Trouver le tableau de guerre. Un Miken, trouver le tableau de guerre à Stoken. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi j'ai juste trouvé la carte de patrouille. Passe bunker, non. On va peut-être juste sélectionner aussi patrouille, hein, parce que moi j'ai trouvé le tableau de guerre dans tout un tas de trucs. Quoi. Plein de villes en fait. Il y a plein d'entrées et de sorties finalement. Alors, sur la map, on est où? Ok, on est sorti de l'autre côté, mais c'est pas grave. On va passer par-dessus. Ah bah là, elle est là, ça reprend bien la... de l'autre jour. Ça reprend bien la réalité en fin de compte, hein, parce qu'en Suède, il y a effectivement... une situation géographique telle qu'on la voit à l'heure actuelle, tu vois, des montagnes, etc., forêts, etc. Et ils ont bien creusé en terre un tas de bunkers qui se relient par différentes sorties, où ils ont entreposé du matériel militaire au moment où il y avait la guerre froide, tu sais. Bon après j'en sais pas plus mais... Non c'est cool. T'as mis un point... Bah, le point un est, petit repère, il est pas précis mais ils me disent que la mission pour le plan de construction est par ici. Juste en dessous là. Ah merde. Je vais virer mes jumelles moi quand même. C'est un petit peu raide par contre. Un peu beaucoup. Je sais pas si je nous emmène pas dans... Ouais. T'as pris le parachute ou pas? Non, je n'ai pas pris mon... Wouah, ça passe. Ça passe. Très bien. Facile. Wouah, la vache, ouais. Donc, visiblement, la carte de patrouille doit être là, parce que j'ai un petit indicateur... Ah, je la vois. Ok. Elle est là. They got reports of the machines building something in the farmlands. I don't like the sound of that. Building something? That sounds like the machines are really taking over, even more than they already have, I mean. Kid, could you check this out? It seems like the soldiers that were sent from Westland to investigate this never reported back. Maybe you can pick up the trail at the church where they were supposed to meet the other soldiers. Let's hope they manage to find out more. L'église Saltomen. On l'a pas déjà fait ça? Non, c'est une nouvelle. Alors l'église, elle est là, c'est ça? Même pas. Putain, il y a d'autres refuges. Nora Saltomen. Non, c'est bien. Ouais, c'est ça. Elle est là, ah ouais. Eh ben, on va prendre le vélo, hein. J'ai rien. On peut placer un repère, vas-y. Oh, que je suis beau, je m'étais pas encore vu. Hein. La classe! La classe à Dallas! Ça, par contre, c'est vraiment le côté genre pas sérieux du jeu, quoi. Ridicule. Après, mais bon, c'est marrant.
un humain lambda, hein, avec des fringues. Ouais, c'est avec sûr. Une mode des années 80, hein, parce que. Les rayons du soleil, c'est joli, il est bien ce jeu. Ouais. Ouais, n'oubliez pas, 2,86€ avec le lien du partenaire. Alors, j'ai regardé l'autre jour, il y a quelques viewers qui ont acheté le jeu, ça m'a rapporté 8 centimes. N'hésitez pas, n'hésitez pas les escrocs. Non, ce que je veux dire, c'est que, comme je disais, pour ceux qui découvrent la chaîne, tous les jeux, tous, sans exception, vous achetez via le lien du partenaire tous les centimes que je cagnotte. Dès que j'arrive à 10€, parce que c'est le minimum, 10€, je fais un giveaway sur le Discord. Donc voilà, si vous achetez des jeux, si vous voulez soutenir, enfin, soutenir non, parce qu'au final, c'est pas pour moi, mais si vous voulez gagner un jour une clé, un jeu gratuitement. Oh! Là, on va alors, voir du... je voulais pas t'interrompre, mais il y a du matos ici. Hein. Et là, il y a du gros bordel là où je suis là. Ça va sentir la castagne là. Je vais préparer les pièges, je crois. Hein. Ah, bah déjà, il m'a vu. Ah, bah d'accord, super. J'ai même pas eu le temps de placer les. Je suis loin de toi, cousin. T'inquiète pas. Ça marche pas le. Oh merde! Ah ouais, en fait, c'est pas si simple de tirer sur le réservoir. Putain, mais super cette arme! Il y a un gros qui tâche là. Mais ah, ça tire aussi derrière nous! On a un gros derrière, je pense. En passant en vélo. Ah, c'est pas. Oui, ah oui, ouh, mais il y a du monde, hein. Vas-y, on va reculer à la cabane, là, espèce de. D'habitation. Ah, parce que du coup, on se fait prendre un sandwich. Là. Bah, c'est du gaz. Et toi. Oh merde, j'ai plus de balles. The fuck. Ah oui, là ça rigole un petit peu quand même. Là on a gros oh, deux, quoi, deux gaz. Squads. Bon, on est ouais. Nickel. Essayez de les faire petit à petit. Les... Ah ouais, là on a deux groupes en même temps là. Je suis rentré dans la ferme. 7. Ouais, je vois ça. J'arrive. En fait, j'ai plus de bastos quoi, comme un con. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris beaucoup composé. De bastos. Ils sont en train de scanner. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Si t'as des réservoirs, des trucs à explosifs, faut pas hésiter. Hein. Du coup. Voilà, c'est bien, j'ai pas mis. Bah non, je me suis dit ça va pas être pratique ce truc là, je vais plus en prendre. Oh, il est gros lui. Ils sont deux. Il y en a beaucoup, il y en a ils beaucoup sont deux, plus les... que deux, je crois. Sont... En fait, là on n'a pas été bon. C'est qu'on a un gros deux groupes. Ah, il est rentré. Oh, il m'a découpé. Attends, je me ranime. Ah bah voilà un petit peu de challenge, il était temps. Là j'ai pas de munitions aussi. Okay. J'avais moi dans mon inventaire des... Ah.
Bon, on va y arriver, hein. Okay. On va s'occuper sur toi, je vais tirer dans le dos. D'être un peu plus tard. J'ai eu un gros là. Le bruit que ça fait, c'est ça. La ferraille. Le bordel. Je sais pas quel est leur point sensible au grand en fait. Grand, c'est là, les grands bah, robots. Je voyais un petit réservoir dans le dos mais. Ah oui. Il en reste un. Oui, il reste un. Je suis tapé un gaz, j'avais 10 HP. Et t'es... Ouais, t'es sorti, hein. Ouais, je pense pas. Le gros machin, il est descendu. C'est bon. Il reste encore. Il restait espèce de robot qui donne l'alerte. Oh lolo. Et bah. Qui a l'air. Ah, je peux te dire qu'au niveau munitions, je me suis bien dépensé, quoi. C'est quoi que j'ai sur moi, là? Petit assemblage IEM, on s'en fout de ça. Fusil de chasse. Bah, le snipe, il m'a servi à rien, hein. Moi non plus. J'ai l'impression de faire zéro dégâts avec le fusil snipe. En fait, si tu tires pas à mon avis sur le... Point faible, il nous sert peut-être pas grand chose quoi. Oh le bordel. Ça fait quoi un fight au moins de 10 minutes là. Et il y a du loot un peu de partout, il y a même un cadavre. On récupère beaucoup de ferraille. J'ai utilisé que des petites trousses de secours pour être tranquille. Ok, bon bah. Je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire là. Ah, du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à fouiller? Il y en a quelques-uns ici derrière. Pas beaucoup, mais lui j'avais fait. Ah, je récupère beaucoup de ferraille, à mon avis ça va servir pour le build de ça. Peut-être. Ok, okay. Bon bah let's go. Maintenant, où est-ce que j'ai foutu le vélo? On le voit sur la carte normalement. Je vais juste aller voir le truc que t'avais fouillé, tu m'as dit qu'il y avait du loot. Censé être là au camion là. Ouais, parce que là on a gros deux groupes en même temps en fait. En se réfugiant dans un spot on a... Je sais pas si on aimait la difficulté, ça. Plus sympa. Effectivement, j'ai récupéré pas mal de balles là. Ok. Bon, je reviens au vélo. En fait, oui, c'est ça que j'ai pas, c'est que j'ai pas mis dans mes. Comment dire. Dans mes raccourcis. Les
gros réservoirs d'essence là. Ceux qui font tout péter, parce que franchement, on aurait jeté ça ou mis un ou deux devant la porte, on aurait tout éclaté. Hein. Je crois que je les ai laissés dans la base comme un con. Bah moi j'en ai laissé 2 tonnes dans la base et le peu dont je disposais, j'ai tout recyclé. En bidet en fait. Plutôt que de le mettre dans le sac, je me suis dit vas-y recycle. J'en ai un. Ce qui est vraiment con parce que. Je trouve, tu vois, que pour chercher les. Les items. Les... C'est une catastrophe. Mmh. Ouais, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, mais. Pas mal de robots à fouiller là. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez. Ouais, j'en profite parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont remercié. Il y en a plein qui ont acheté le jeu, qui jouent d'ailleurs en couple. Et j'ai acheté le jeu avec madame, tout ça. Bah écoutez, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Là, du coup, moi j'ai posé plein de petites bonbonnes, je vais pouvoir les récupérer. J'ai pas eu le temps de tirer dessus au final. Et là, tu vois, devant nous, il y avait un gros cran de. Il venait de là à la base, les mecs. Ah oui, d'accord. Mais c'est un camp militaire, c'est pour ça. Qui m'a semblé que dans ce jeu-là, tu pouvais tomber sur des camps militaires où tu pouvais looter pas mal de matos, mais qui était extrêmement bien défendu, quoi. Ben, c'est le cas, à mon avis. Et il venait de là, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà d'autres robots morts. C'est cool, ça. Il y a un mec ici aussi qui est décédé. Et je sais pas si t'as fait gaffe, il y a... On a eu un message tout à l'heure pendant qu'on était en train de fight, comme quoi je sais pas quoi avait été tué par un autre joueur. Non. Bah c'est toi non? On est qu'à deux de toute façon. Bah je sais pas. Ouais je pense. Il faudrait que je regarde si... Bah, je sais pas. Je regarderai la rediff. Il n'y a rien. Dans la voiture, il n'y a pas des trucs à... Ah bah si, il y a même un cadavre au volant. Ouais. Cadavre au volant, sois prudent. Ok. Ça passe hyper vite, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. C'est vrai? Ouais, 53 minutes. Fait. Bah ouais. bah vite, on va prendre le vélo. J'aimerais bien avancer quand même sur la mission. Ouais, on a encore tout le pont à traverser. À mon avis, on va avoir un putain de fight sur le pont. Je connais bien les... Enfin, si j'étais développeur du jeu, je ferais ça. Parce que c'est pour passer de l'autre côté du pont, c'est jamais libre. Ah, je me souvenais plus de la sonnette. Eh oui. Le détail... Oh putain. On roule pas sur les branches. Ah oui, passer ici, ça va être compliqué. Ça passe. Oh, par contre, les devs, si vous faites un génération 0.2 là, mettez-nous un truc électrique quoi. Un truc qui roule un peu plus vite que le vélo. Bah, des VTT pour un fat bike. Could be a weapon. On est censé prendre la route avec eux. Secure base for them. Who knows? We don't even know who's controlling them. Let alone their motives. On va prendre le pont. Maybe this building business will show us what they're planning, though. When we find out what it is. True enough. We will get to know our enemy better. That's always good. Un petit barrage. Peut-être un barrage, mais il y a peut-être personne, hein. Bien connu, on met des barrages avec personne dedans. Tu crois? Non. Je crois pas. Bon, pour le moment, il y a... Pour moi, c'est pas une blague, il y a vraiment personne. Il y a un truc à looter, là. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le camion? Oui, enfin...
à l'arrière. Tout prendre, ouais. Hop, oh, pardon. Bon, il y a deux caisses, ok. T'as trouvé quelque chose? Ah oui, ok. Alors la question, c'est comment on fait pour réparer les armes? Est-ce qu'il faut aller à l'atelier? Bah, je te dis, il faudrait qu'on s'y intéresse, mais pour ça, il faudrait prendre plus de temps, ou peut-être hors live, je sais pas trop. Ouais, hors live, j'irais peut-être jeter un petit coup d'œil. Comment modifier tes armes, optimiser celles-ci, mettre les viseurs, etc. Ouais. Il y a un gros robot là, sur le pont. Exact. Mettre ça ici au cas où ils viennent. Attends, je vais. Enfin, ça devrait le faire comme ça. Ok. On va la tirer, un petit fumigène ou un truc à la con. Oh bah, on va lui tirer dessus surtout, ça va bien la tirer. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais j'ai l'impression de faire zéro dégâts avec ce gars là. En combat, ça y est, on est en combat. Mais lui il va tirer à 10 km, il va nous défoncer la tête à... J'ai l'impression de tirer avec des balles en mousse, franchement. Ah, faut peut-être changer les munitions. Hein. Mais j'arrête pas, j'ai changé, j'ai... Je vais essayer celle-ci, tiens. Ouais. Il est bugué celui-là, pour en profiter. Ouais, c'est étrange, hein. Il bouge pas. Comment ça fait qu'il bouge pas ce... Vas-y, il va se mettre à bouger quand je vais te coller au mec, quoi. Tu crois? Allez, vas-y, enfonce. Oh merde! Qui bouge, ça y est, il est pareil, tire. Magnifique d'explosion. Il y avait une bonbonne à l'arrière du véhicule. Une bonbonne de gaz. Enfin de carburant là, je pense que si on tire dessus. Oh, ouais. Bon, encore faut-il la viser quoi. Non même pas, c'est que de la déco. Ça aurait pu. Il m'a fait peur ce con, il s'est relevé. Tant pis pour les vélos, hein. Ça me paraît trop simple. Du loot là dans le véhicule. Rien de fou. Ah, j'ai des outils de crochetage. Ça peut peut-être servir ça. Hein. Ah non, loot quelques-uns, mais pour le moment, il n'y a pas eu de. Le problème de jeu, c'est que t'as tellement looté que tu passes ton temps à loot. Bon, alors ici. Un point d'intérêt, ça, ou non? C'est pas du tout. On fait juste que de passer, c'est ça? Pas mal, c'est. Donc, tu vois, il y a des bombes IEM. Je pense que ça sert à les faire bugger. Si tu peux créer des bombes électromagnétiques ou un truc dans le genre. Pour que les robots ne tirent plus dessus ou qu'ils soient un peu buggés. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une. Ouais, peut-être une petite partie en live pour voir ce qui se passe. Enfin, une partie. Une connexion en live pour voir ce qui se passe dans tout ce qui est build et compagnie. On est loin là? Bon, mais pas très loin. Ça va. Plus très loin. Moi, ouais, les balles ça va. Le snipe ça va. Le fusil à pompe ça va.
Il y a eu du grabuge par ici, hein. Il y a des baraques en feu et tout. Ah, Thérèse. Went to meet the soldiers who had seen the machines building something. C'est très marrant qu'on puisse build au prochain live. Marrant, voir ce que ça donne. Pour voir à quoi ça... Déjà à quoi ça sert, parce que si personne ne peut nous attaquer, si ça sert à rien. Are there any signs of the soldiers? Elle veut qu'on trouve des traces de quoi de... Damn it. Ça va trop vite. So they were ambushed. But at least you found the logbook. That gives us something to go on. It says that the machines are building more of themselves. This is bad. There are already too many of them out there. We have to stop this. Otherwise, this might never end. Look, maybe the squad from Vestlan went to that barn they mentioned. Par exemple, quelque part, c'est le point négatif du jeu, ça. C'est toujours né dans... Bah, ouais, alors déjà, ils disent ça, après, voilà tout. Je regarde pas, en fait, ce qu'ils disent. Pardon. Non, we cannot let ourselves think that. This is our problem now. We need to fix this. Alors, il faut qu'on aille dans une grange de je sais pas où. Alors je disais le point négatif c'est le loot, il y a trop de loot. T'es toujours né dans le dans l'inventaire, enfin dans le... Vérifiez si les soldats sont partis observer la base des machines depuis la vieille grange. Oh, il y a un aspirateur dans la voiture. Bon, moi je vais arrêter de looter parce qu'au moment on passe... Ok, là il y a plein de mecs à tuer. Moi, ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'ils appellent la vieille grange. Et encore du fight et tout. Putain, on n'est pas prêt de finir la mission. Hein. Il y a déjà plein nord, il y a plein de monde. L'église, ça serait pas un point de... Regarde. Un refuge. Attends, je vais aller dans l'église. Est-ce que c'est un refuge? Bah écoute, c'est une église quoi, comme l'autre. Ok. À l'étage peut-être. Bah si, il y a un truc de couture. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un refuge, j'en sais rien. Normalement, si tu peux te loot ou des loot, c'est que c'est bon. Hein. Ah, j'ai pas vu de grande caisse pour où on peut... Oui, ouais, je sais ce que tu veux dire. Non, j'ai pas... Elle est là, la grande caisse. Tu l'as trouvée ? Ouais, elle est là, la caisse de l'autre. Bon, bah ok, ça veut dire que c'est un refuge. Bah, c'est le bon plan pour s'arrêter ici, comme ça je peux regarder. Il y a dans les... Dans les crafts et machins, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a sous-estimés. Il y a plein de trucs qu'on doit peut-être faire, améliorer, réparer les armes, peut-être faire des meilleures munitions, recycler. Ah tiens, il y a un cadavre ici. Une batte, génial. Et comme ça, on partira d'un spot où il y a des trucs à faire. Ça fait rire, ça. C'est vrai que ça sert à rien la batte, mais... Ça se trouve, elles sont cheatées, hein. Ça se trouve, tu one-shot les... Les mecs, vu que c'est du corps à corps, c'est difficile. Qui sait ? Ok, bah, je pense qu'on a quand même fait une belle game. On a perdu un petit peu de temps au début parce qu'on a... Enfin, entre guillemets, on n'a pas démarré là où on devait démarrer. Mais non, on est parti sur l'île. Donc peut-être que prochain épisode, on fera du build. Il y aura la mission de construction. Et je regarde... Il faut trouver, donc c'est forcément dans l'une des fermes en fait. Il y a deux fermes l'une à côté de nous, celle de Cogsbo et Lantorp. Donc ça se trouve c'est dans l'un des deux trucs qu'il va falloir fouiller. Ouais, tout à fait. Hein. En tout cas, on a bien bossé, 1h05 de live, ça passe hyper vite ce jeu. On s'ennuie pas, même s'il y a beaucoup de loot.
On m'a dit aussi en commentaire que là on loot beaucoup, mais après les monstres devenant de plus en plus difficiles, on aura de moins en moins de balles. Donc tout ce qui est build et compagnie va commencer à vraiment à se mettre en place. Là c'est un petit peu de la rigolade. Et puis j'ai hâte de voir le base building, voir les nouveaux événements sur la map, enfin voir tout ça. Il y a plein de trucs parce que là en fait on a fait 4 épisodes, on a joué à presque 6 heures, mais on n'a rien découvert. Enfin, rien d'extrêmement nouveau à part des nouveaux emplacements. Donc. Là, ça va commencer à moins rigoler, je pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus ou de verts, peu importe la couleur que vous avez, mais mettez les pouces, mettez des commentaires pour l'algorithme YouTube. Remercie Globule pour sa bonne humeur et sa disponibilité, ça c'est quand même important. C'est cool. Et je vous indique aussi, si vous n'êtes pas follow à la chaîne, faites-le. Voilà, c'est inadmissible à ce stade en 2024 de ne pas être follow à la chaîne de Monsieur Pesset. Et si c'est déjà fait, vous allez sur la chaîne secondaire, ça sera l'idéal. Bref, une fois que j'ai demandé tout ça, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée, et je vous souhaite à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao les amis.